Surtout en Guinée, Moussa Dadis Camara, qui était le personnage. Là, vous comprenez que c'est sur ce plateau-là, vous avez fait la palme belle à ma personne de Dadis. Vous savez ça. Et quand nous avons pris le pouvoir au CNDD, nous avons dit qu'avec Vox Africa, je pouvais parler. Et quand j'ai parlé là, c'est seulement des déchets de chevrotines que j'ai reçus en échange. Donc je crois que vous avez contribué aussi à l'essence émergente de ma personne. Mais vous avez aussi été des vendeurs d'illusions. Ça m'a vraiment choqué. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous devenez, Moussa Dadis? Parce qu'en réalité, on vous entend plus. Ah, vous comprenez que vous allez poser la question au président Blaise qui a su me donner gîte couvert. Et avec lui, j'ai vraiment été couvert. Parce qu'il a fallu qu'il passe un instant pour que je puisse me retrouver. Et vous savez, en Guinée, là, quand nous avons pris le pouvoir, là, En Guinée. Il n'y a pas un au début. Mais arrêtez de me discuter. Vous êtes un journaliste. Vous posez les questions. Moi, j'y réponds. Si vous continuez, je vais vous rentrer dedans. Non. Voilà, ça c'est le Dadis Camara. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'After World. L'occasion pour moi, évidemment, de saluer l'ensemble de nos présidents. Monsieur le Président Lascobille, bonsoir. Alors, je salue avec déférence toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Je vous salue. Monsieur le Président Henri Conan Bédié, bienvenue. Vous préparez votre convention. Ça va? Vous êtes bien mis? Vous savez, je suis très heureux. Mais il y a des gens qui n'avaient pas leur place sur ce plateau. Mais dommage que Vox Africa a pensé à eux. Ce sont des minables médiateurs que j'ai. Je n'ose pas citer. Je vous remercie. On reviendra au médiateur tout à l'heure, mais le temps de parler avec le président Paul Biya. Bonsoir. Comment ça va au Cameroun, monsieur Paul Biya? Ça va au Cameroun. Nous avons donc dit notre manière, une vision donc de voir les problèmes. Vous êtes vraiment fatigué. Nous allons aller du côté du Sénégal retrouver monsieur Macky Sall, monsieur le président. Le peuple sénégalais est fier de parler du Sénégal dans toute son essence. Alors que l'Afrique est actuellement au chevet de la France qui a besoin de ses pères africains pour donner une certaine impulsion de la sécurité sous-régionale. Alors je crois que... Monsieur Dadis Camara, merci, on en a assez pour... C'est bien, beaucoup. Vous confondez maintenant Fala et Dadis. Ah, Fala et Dadis. Ne confondez pas, évitez les plaies, les saletés de mots. Nous avons le président facilitateur, monsieur Blaise Compaoré, bonsoir. Bonsoir, Vérone, nous vous remercions. Ça veut dire une image plaisir que nous avons accepté d'être sur le plateau de Vox Africa. N'importe quoi. Vous savez, il y a des personnes qui sont vieilles et qui ont la couleur du caméléon. On ne sait pas quel genre de personnes. Tantôt ils sont verts, tantôt ils sont rouges. On les retrouve au Burkina. Alors on les retrouve en Côte d'Ivoire et ils nous méritent. On s'en moque de tout ce qu'ils nous disent. Je crois que c'est ça, c'est votre bonsoir. Nous sommes très heureux d'être sur votre plateau en tant que médiateur. Et le président Mamadou Issoufou du Niger. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chine, ça va, on dit bonsoir, ça va. Pardon, vous prenez ton boss un peu. Je salue les populations Hausa qui regardent Vox Africa. Barari Ashkababu Allah, Kouwi, Unibu, Shihu, Gubaragouba. Tanukumbaya, Shikabingan, Karaga, Nare, Top Madala. Voilà tout de suite l'ambiance. L'Afrique a perdu sa valeur. L'Afrique, elle n'a pas perdu quelle valeur. Nous ne sommes plus là, voici des gens. Au lieu de saluer, il faut un chapelet de mendicité. Mais Baron, est-ce qu'on pourrait un peu nous permettre de vivre? Parce que vous savez, l'Afrique a perdu une immense personnalité. Il me semble bien que c'était également l'occasion de lui rendre un vibrant hommage. Ça, on l'a suivi sur nos stades. Amendé, là, évidemment, on a demandé à l'ensemble de nos présidents, peut-être vivre ça avec vous. Tout à fait. Monsieur le Président Lascobille, vous... Vous avez connu... On peut se dire que le président Alassane Ouattara, c'est le président Alassane Ouattara. C'est la partie chocotitée de ma personne. Voilà, de temps en temps, il faut sortir des sentiments. Monsieur le président Alassane Ouattara, hommage rendu à Nelson Mandela, en quelques mots. Alors, vous savez que Mandela a écrit de belles pages de la résistance africaine.
Alors je suis très émotif, vous le savez. J'ai pleuré au Gabon. Pour Mandela, alors c'est... Alesco, arrête. Vous savez, je suis très. Monsieur le Président, Ouattara était un par l'émotion. On va demander à Monsieur Henri Conan-Bédier. Monsieur le Président Henri Conan-Bédier, alors qu'est-ce que cela vous inspire, hein, la mort du président Nelson Mandela? Il a tout donné. Il y a des gens qui devaient partir à sa place, mais qui sont restés dans la chambre. Mais tous nos téléspectateurs, je vous demande de faire comme lui, d'évancer nous. Monsieur le Président de la République sœur du Burkina Faso, en quelques mots, que vous inspire justement? Il est content, il est content. Vous savez, je ne dirais pas que ça me fait plaisir que Nelson Mandela parte, mais il faut dire que c'était une personne qui a porté beaucoup pour l'Afrique. Et quand une personne comme ça part, ça fait mal. Mais il y a des personnes qui sont à côté de nous, qui ne font rien, qui passent leur temps à parler mal. Ils sont là encore, qui souhaitent... Alors, s'il vous plaît, arrêtez la guerre. Vous savez que les grands hommes dansent sur cette terre, aiment partir les mois de décembre. Dernier président, merci. Nous allons intervenir sur la question. Monsieur le Président Paul Biya, on s'attendait à ce que vous soyez... Vous précédiez Mandela, mais vous êtes encore là. Et que vous inspire la mort de Mandela? Il est sur la liste. Comment je ne vous en tire pas rigueur? Vous savez donc que nous, au Cameroun, nous avons un principe de longévité. Il va vomir un jour en parlant comme ça. Alors, laisse le président Biya s'exprimer. Quand donc nous, au Cameroun, nous avons été choqués. Mais vous savez, Bédier, votre rancœur tenace fait que vous risquez de partir. Monsieur le Président, c'est, alors, votre mot pour finir sur la mort de Mandela. Je sais que vous en voulez à Monsieur Bédier, mais bon, va falloir aller un peu vite. Vous savez que ma longévité au pouvoir l'irrite. Ils comprennent qu'il n'est même plus le président. C'est à cause de Ouattara qui fait son tango. On va mourir carrément de rire sur ce plateau. En tout cas, félicitations à toute cette belle équipe et à Warhol qui coordonne cette équipe. On rappelle, le rendez-vous, c'est bien After Show. After Work, du lundi au vendredi sur Nostalgie. Pour ceux qui sont au Cameroun, ils peuvent nous avoir sur le net, www.nostalgie.ci. Merci en tout cas. Alors, la dernière question, c'est, moi je suis un peu surpris de voir que sur Nostalgie, on peut rire comme ça, imiter le président et rire. Alors qu'on sait par exemple que sur la RTI, la télévision nationale, il y a plein de gens qu'on rencontre qui nous disent qu'ils sont interdits d'accès là-bas, ils ne peuvent pas. Est-ce qu'à Nostalgie, vous n'avez pas ce type de... On n'a pas ce type d'handicap. Nous, on est une télé, on est une radio privée, donc on essaie d'apporter quelque chose de neuf. Ce qu'on a eu comme retour, parce qu'au départ, c'était After Work jusqu'à où? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, du moins, parce qu'à tout moment, on pouvait franchir la ligne rouge, la zone de non-retour. Mais on a un super bon retour avec les hommes d'État, notamment les ministres qui nous appellent souvent pour nous dire qu'ils aiment bien ce qu'on fait, continuer dans ce sens et tout ça. Et la preuve, les ministres de la République sont reçus dans l'émission. Donc aujourd'hui, nous, on essaie d'avoir sans parti pris, ni rancœur ou quoi que ce soit, une analyse de l'actualité selon les problèmes que vivent les populations. Donc cette analyse loufoque, pleine d'humour. Et je pense qu'avec l'avantage avec l'humour, c'est qu'on peut faire passer tout. C'est moins choquant qu'un vrai débat. Merci beaucoup à toute l'équipe et on vous souhaite beaucoup de courage. Et à Chouken Pat, on l'attend toujours au Cameroun. Il est très populaire au Cameroun. Ça, je présume. Voilà. Et il verra. Pour finir, moi, en tant que médiateur, comme le président Mandela était une personne qui facilitait, qui aimait la paix aussi, nous réclamons son depuis au Burkina Faso. Sur quoi? Merci en tout cas. Vous réclamez, je vous remercie. Madame, monsieur, nous marquons un arrêt.